Après plusieurs années de vaches maigres et la perte de 1000 emplois sur le seul département du Lot ces 8 dernières années, le BTP recrute à nouveau. Et pour le faire savoir, la profession a décidé d'aller à la rencontre des candidats potentiels. Signe distinctif de cette caravane du BTP, un camion de pompiers datant des années 50, symbole de l'urgence à recruter. Actuellement, 50 postes sont à pourvoir dans tous les secteurs d'activité de la filière. Il y a très peu de prérequis. Soit, en effet, on a envie d'être, on est motivé pour pouvoir apprendre un métier. Et donc, dans ce cas, les candidats sont pris en charge par nos structures, nos organismes de formation, qui proposent un parcours qui est complètement adapté donc, à l'individu, au candidat, pour pouvoir acquérir un premier niveau de qualification. Soit, donc, on a déjà un niveau de qualification. Donc, et là, il y a la possibilité de se perfectionner et d'avoir une sorte de parcours qui vise une montée en compétences. J'étais dans le commerce, la vente, etc. Et j'aimais plus du tout ça. Et j'ai trouvé que le bâtiment, c'était quelque chose de magnifique. On fait des choses avec ses mains. La caravane du BTP poursuit sa route jusqu'à jeudi. Elle fera escale à Vérac, Gourdon, Saint-Céré, Souillac et La Capelle-Marival. Elle terminera son périple au parc des expositions de Cahors à l'occasion de la journée départementale de l'emploi.